L'agneau qui ne voulait pas être un mouton. Depuis toujours, on vivait dans ce pré, nous les moutons. Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur nos toisons. Pourtant, un soir, un loup vint rôder autour du troupeau. On aurait dû se méfier et se serrer les coudes. Seulement, voilà. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupé à brouter. Alors, on a continué. Une nuit, ce qui semblait impossible arriva. Le loup pénétra dans l'enclos et dévora le premier mouton qu'il rencontra. Bon, après tout, celui-là était très malade, alors... Alors le soleil se leva, se couchait sur notre oison. La vie reprit son cours et n'oubliait vite ce pauvre mouton. Cependant, un jour, le loup revint et engloutit encore un mouton. Celui-ci, on ne l'aimait pas trop. Son pelage sombre faisait comme une tache au milieu du troupeau. Et puis, on avait toujours vécu la tête baissée, occupé à brouter. Alors, on n'a pas bougé. Pendant 2 jours, le loup se leva et Le jour se leva et se coucha sur nos toisons. On commença à l'oublier, ce loup. Quand il revint cette fois, il s'attaqua au mouton à 3 pattes. À celui qui louchait. Et tu as même une brebis et ses petits. Dans les rangs du troupeau, on commençait à s'inquiéter. On va se faire tous dévorer. Ne craignez rien, rassura le bélier. Nous n'emporte que les plus faibles. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupé à brouter. Alors, on n'a rien changé. Mais quand le loup revint, la fois suivante, c'est au bélier qu'il s'attaqua. Il le surprit dans son sommeil et l'emporta au plus profond des bois. Nous étions effrayés, désespérés, accablés. Qu'allons-nous devenir sans notre chef? Soudain, le plus jeune d'entre nous s'écria. Si nous ne faisons rien, le loup va nous dévorer les uns après les autres jusqu'au dernier, et alors il sera trop tard pour résister. Aujourd'hui, nous sommes assez et nombreux pour lui tendre un piège. Au lieu de pleurnicher, battons-nous pendant qu'il est encore temps. Aussitôt, le troupeau se rassemble. C'était bon d'être ensemble toute la journée. Nous cherchâmes un plan, et quand la nuit arriva, nous avions trouvé. C'est vrai que le risque était grand. Mais après tout, il fallait bien se débarrasser de ce loup, alors. Alors, dans la douceur d'un soleil couchant, un agneau s'approcha du bois en faisant mie. De brouter. Comme prévu, le loup apparut et comme prévu, nous gardons la tête baissée, sans bouger. Soudain, l'agneau prit de folie, se tourna vers le loup et lui tira la langue et enchaîne avec les meilleures grimaces de son répertoire. Le loup, qui n'aimait pas qu'on se moque de lui, bondit sur ce mouton tout riquiqui. Mais il arrive parfois qu'un mouton rusé court plus vite qu'un loup énervé.
Et ce n'était pas terminé. Les vieux, les jeunes, même les éclobés, tout le monde se mit à narguer le loup, le faire courir dans tous les sens pour l'attirer jusqu'au bout du pré. Excusez-moi. Là, à bout de nerfs, aveuglé par la colère, le loup tomba dans le piège que nous lui avons tendu. Il disparut dans la mer et on ne l'a plus jamais revu. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, car je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne. Qui aurait voulu ou pu protester?